Coucou, j'attaque du coup ce nouveau vlog, ce petit vlog pour vous partager ma morning routine. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure parce que là c'est un peu la course entre guillemets, enfin on essaye d'enchaîner pour ne pas être en retard. Mais je vous montre, je vais me maquiller et j'ai reçu des produits de la marque Typology. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps qu'ils me font de l'œil. Et ah bah mince, l'autre est dans mon sac à main. C'est une huile pour les lèvres qui est d'un rose blush trop beau. J'ai l'anti-cerne aussi qui est là, j'arrivais pas à le retrouver. Et le sérum que j'ai appliqué tout à l'heure qui est trop bien parce qu'il a un SPF 30. Donc vu que les beaux jours ici arrivent déjà et que même globalement le soleil est quand même assez fort toute l'année et que j'ai pas forcément le réflexe de mettre de la crème, surtout quand je suis maquillée partout, etc. Là, ça me fait une protection en dessous de 30 SPF appliquée en première couche. Donc c'est cool. Et c'est un sérum qui est anti-pollution aussi. Alors, même si nous, on est quand même moins concernés ici, je pense que si vous habitez en ville ou que vous souffrez, entre guillemets, de la pollution, vous le ressentez vachement par rapport à votre peau, je pense que ce sérum, il peut être intéressant pour vous aussi. Et du coup, je vous montre à chaque fois, c'est mon petit moment à moi. Je me mets un petit vlog que j'arrive jamais à finir, hein, mais je le commence. Donc là, c'est un vlog de double luche, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et je me maquille en même temps. J'en ai pour, j'allais dire, entre 5 et 10 minutes, hein, mais ça me fait mon petit moment à moi. Lazare s'est réveillé entre temps et c'est son papa qui commence à vider de la vaisselle, à commencer à préparer un jus, etc. tranquillement en bas, qui ouvre le salon, etc. Ils sont toujours en train de toute cette fatigue, cette tristesse. Ouais, je mets toujours mon petit linge ici, dont je me sers après pour frotter le surplus de maquillage parce que ma commode, elle est en miroir, donc déjà que... J'ai beau la nettoyer toutes les semaines, enfin ça se... Voilà, ça fait des traces très vite. Bref, je vais vous montrer. Ce week-end, j'étais à Bordeaux avec une copine. On est passé chez Sephora et j'ai acheté un pinceau qui me manquait, que je voulais depuis longtemps. C'est le numéro 2 pour l'anti-cerne. Moi, je suis très pinceau. J'adore appliquer mes produits de teint, etc. au pinceau. Et vu que j'adore tout ce qui est beauté, etc., j'aime bien avoir des pinceaux adéquats. C'est pas très net tout ça. Et le 2, il est parfait pour l'anti-cerne. Du coup, je vais l'appliquer avec le nouvel anti-cerne de chez Typology là, qui est assez incroyable. Franchement, je vous parle de Estée Lauder depuis des années. Mais alors celui-ci, vous allez voir, je vous montre la différence là. Donc là, j'en ai pas. J'ai juste appliqué le sérum teinté, je l'ai en teinte 2 avec le pinceau numéro 6, qui est parfait pour ça. Et là, vous voyez, j'ai pas encore d'anti-cerne. Donc comme ça, vous voyez que c'est quand même bien marqué, assez bleu et creusé. Et vous allez voir la différence. Le rendu est très naturel. Et voilà. Bon, c'est pas... évidemment, ça se voit encore un peu, mais je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra, là. Mais c'est dingue. C'est dingue et le rendu est tellement naturel. Bon, là, j'ai pas la bonne main. Mais en plus, avec l'application au pinceau, là, j'ai l'impression de faire de la peinture, mais ça camoufle tellement bien. C'est ouf. Bon, je vais finir de me maquiller cette fois, j'arrête vraiment de parler. Mais en général, la petite touche parfaite aussi pour vraiment illuminer ensuite les cernes et que le résultat soit incroyable, c'est d'ajouter le petit touche éclat de chez Yves Saint Laurent que j'ai en teinte 2.5. Je vais en ajouter une touche, ça illumine et c'est parfait en général pour bien camoufler et que le rendu soit naturel. Tu as donné à manger aux chèvres.
Bon, il y a la lumière, donc c'est pas l'idéal, on ne voit pas grand chose. Je ne suis pas en avance ce matin parce que on a changé d'heure samedi et que du coup cette morning routine que je comptais filmer ce matin, parce que ça y est, ça fait quelques semaines, c'est récent, mais qu'on a quand même bien trouvé notre rythme et notre organisation la semaine, les jours où Lazare est à la crèche, les jours où il n'y est pas, le week-end, etc., que je me suis dit que c'était cool de vous partager ça. Et en fait, avec le changement d'heure, ça a tout redécalé. Et Lazare, pour l'instant, on le couche à la bonne heure le soir, mais il dort plus longtemps le matin. Il se réveille du coup plutôt vers 8h, alors qu'avant il se réveillait à 7h quoi. Bon, ma caméra a coupé parce que je n'avais plus de place sur ma carte. Bref, donc là j'ai posé Lazare, je suis allée poser un colis Cézanne, un retour que je devais faire depuis quelques temps, j'arrêtais pas de repousser, j'allais être limite niveau date, comme d'hab. Et là, je suis chez Grand Frais, je vais faire quelques courses. J'en profite parce que c'est vrai que maintenant, avec les beaux jours qui sont arrivés, ça me saoule de perdre du temps, entre guillemets, à faire les courses les jours où j'ai Lazare avec moi. Je préfère kiffer, profiter de lui, faire des trucs avec lui. Même s'il adore faire les courses et qu'il apprend les fruits et légumes et que c'est cool, en vrai, je le vois pas du tout comme du temps perdu avec lui. Mais ça me saoule de passer du temps à faire les courses alors qu'il fait trop beau et qu'on peut aller plutôt s'amuser dehors ou aller à la plage ou retrouver des copines, etc. Donc là, je vais... Et puis en plus, je suis plus efficace quand je suis toute seule, c'est plus rapide. Donc là, je vais me faire petite session Grand Frais Rapidos et ensuite, je rentre à la maison. Bon, j'ai évidemment des trucs qui sont renversés dans mon coffre. Mais ça va, mes œufs sont sauvés. Puis à chaque fois c'est pareil, j'arrive, j'ai trop envie de faire pipi. Genre je suis à la limite de la limite. Mais c'est trop bizarre parce qu'à chaque fois, je sais que j'ai envie de faire pipi, même pendant que je fais les courses et tout, je me dis, ah tiens, j'ai envie. Je vous raconte vraiment ma vie. Hein. Mais ça va. Et quand je passe la porte, je sais pas pourquoi, il y a ce truc de on peut plus se retenir. Et j'avoue que depuis que j'ai accouché, si vous êtes maman, enfin que vous êtes passée par là, je sais pas si c'est pareil avec la césarienne en fait, parce que je pense que c'est pas qu'une question d'accouchement, je pense que c'est juste aussi une question de grossesse et de pesanteur pendant 9 mois. Mais peut-être que c'est plus accentué si l'accouchement a lieu voix basse, je ne sais pas. Peut-être que vous me direz, les mamans qui me suivent ici et qui ont eu une césarienne. Mais bref, depuis la grossesse et l'accouchement, cette limite-là, c'est à chaque fois limite. Peut-être que ça veut dire qu'il faudrait que je refasse des séances de renforcement rééducation du périnée, je ne sais pas. J'en suis pas non plus à avoir des fuites, hein, mais juste c'est horrible. Bon, bref, j'arrête de vous parler, je file aux toilettes. Allez, je vous fais un petit retour de course, ça fait longtemps et vu que j'ai pas acheté énormément de choses, j'ai tout mis sur la table, comme ça je vais vous montrer. Puis ça vous donne une idée un petit peu des produits que j'achète quand je vais que chez Grand Frais. Bon, là il y a des choses que j'ai... On avait fait les courses il y a pas très longtemps. C'est surtout les fruits et légumes, j'avais besoin de compléter et je voulais de la ricotta pour faire une recette dont j'avais tout ce qu'il fallait ici, mais bref, je voulais compléter. Du coup, j'ai pris ça, c'est trop bon. Ça, vous les trouvez chez Grand Frais, c'est une focaccia qui est délicieuse. Vous la passez au four 5 minutes à 200 degrés avec genre de l'huile d'olive, du romarin. Et après, vous garnissez, c'est incroyable. Et là, je voudrais faire ça avec des asperges et de la stracciatella. Et ça, c'est pareil, vous trouvez ça que chez Grand Frais. C'est le cœur de burrata, c'est juste la stracciatella. Incroyable, c'est délicieux. Et puis du basilic, du parmesan, enfin faire une petite chose fraîche comme ça, je pense que ce sera délicieux. J'en ai profité, j'ai acheté du pain à côté, il y a la boulangerie chez Grand Frais, donc j'ai pris un pain noir nordique comme ça, tranché. J'ai repris de la moutarde puisque ça j'en avais plus, et pareil pour faire de la vinaigrette, etc. J'ai pris de l'ancienne et de la classique. Ensuite fromage, produits frais, j'ai repris les yaourts de coco, là, je les adore. Leur comté râpé comme ça, toujours très pratique pour les quiches, voilà, quand on n'a pas le temps de râper ou qu'on veut faire plus vite. De la ricotta, de la crème, la stracciatella. De la viande, j'ai pris au rayon boucherie... de la viande à farcir, mais je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais je me suis dit que c'était bien là de manger un peu de viande rouge, ça fait longtemps. Des yaourts grecs et des petits suisses, tout ce qui est yaourt de chèvre, brebis, etc. On en avait acheté là la dernière fois, donc on en a encore un gros stock, j'ai juste repris ça. Et j'ai pris de l'aloumi, ça fait plusieurs fois que je le vois, je me dis que j'allais attendre les recettes un peu plus estivales pour en manger, donc
Donc ouais, j'en ai pris. Côté épicerie sèche, j'ai juste repris des pâtes complètes comme ça et des petites pâtes comme ça colorées qui sont très bonnes. Du coup, j'ai repris une grande boîte de des fraises. Ça y est, c'est lancé. J'en ai pris deux boîtes. Maintenant, je m'autorise à faire un peu... Enfin, je m'autorise. Avant, je ne le faisais pas trop parce que je me disais « Ah, c'est vraiment pas écolo. Ah, c'est vraiment... économique non plus puisque c'est plus cher, etc. » Mais maintenant je me dis que c'est tout, on peut pas tout faire tout le temps parfaitement. On cuisine déjà beaucoup, on se donne beaucoup en cuisine. Je peux pas passer mon temps à, voilà, par exemple écuter les petits pois. Donc à peu près deux choses de mon plein de courses, je les prends en version rapide. Donc là j'ai pris des petits pois et des champignons. La dernière fois j'avais pris du butternut déjà coupé et j'avais pris aussi un mélange de chou pak choy, carottes, pousses, brocoli, etc. pour faire un espèce de wok et c'était bien pratique et ça m'a vraiment fait gagner du temps et ça permet quand même de manger sainement et manger du fait maison. Donc voilà, j'ai pris ça et ça pour faire, je pense, un houmous de petits pois ou un velouté, je sais pas trop. Ça, je sais pas trop encore non plus, soit dans des pâtes, soit pour faire avec la viande rouge, je sais pas trop encore. J'ai pris sinon des avocats, un concombre pour les jus, des betteraves cuites comme ça, parce que c'est toujours pratique en avance. Lazare, il adore les manger râpés. Je m'en sers aussi beaucoup pour faire des houmous ou comme ça, juste en salade. Des oignons parce qu'on n'en avait plus, des patates douces. Je pense que je vais en garder une pour faire des gaufres de patates douces et sinon d'autres pour faire des frites au four. Lazare adore aussi. Des asperges, parce qu'il me restait une pâte feuilletée, j'ai prévu de faire une tarte avec de la ricotta et des asperges. Des pommes que je vais cuire parce que c'est pas terrible la saison des fruits pour l'instant. Enfin, il y a l'arrivée des fraises, il y a les kiwis de France, oui j'ai pas montré mais j'en ai pris plusieurs. Sinon il n'y a pas grand chose, du coup j'ai pris des pommes à cuire. Je me dis que le matin dans le porridge c'est sympa ou pour les desserts aussi c'est sympa. Et voilà, et j'ai pris, oui, en sachet aussi, puisque c'est bien pratique, des pousses d'épinards et de la mâche. Voilà, pour cette petite session course, je vais ranger tout ça. Romain va pouvoir m'aider, je crois, il vient de terminer son call. Et ensuite, je vais me mettre au boulot. Bon, j'ai ouvert mes petits colis avant de me mettre au boulot parce que je voulais voir ce que c'était. J'ai reçu cette petite veste en jean que j'ai achetée pour le printemps, enfin pour cet été. J'ai pris du 36 mois pour viser large et pour qu'elle aille à la rentrée. On retroussera les manches au début puis elle sera un peu loose, moi je préfère. Pour Lazare, elle est trop belle, c'est une Cadet Roussel, j'adore cette marque et je l'ai achetée sur la Redoute, je vous mettrai le lien en description. Elle est trop jolie, c'est en pression comme ça, donc hyper pratique. Elle est trop belle. J'adore, et aussi bien pour fille que garçon, donc je sais que c'est une pièce qui durera longtemps. Enfin, je sais pas si j'aurai une fille un jour, mais enfin voilà, c'est un intemporel, je trouve. Elle est trop belle, j'aimerais trop avoir la même pour moi. À côté, j'ai reçu nos brosses à dents Variation. On a profité d'une vente shoes avec Romain pour s'en prendre une chacune. Moi, j'ai pris la blanche, il a pris la noire. Et en fait, je suis agréablement surprise parce qu'on a pris des têtes de rechange, ça, pour en avoir, parce que ça valait le coup aussi sur Choose. Mais il y a aussi les fixations murales et les étuis pour partir en week-end ou en vacances. Donc c'est très cool. Romain voulait qu'on achète des brosses à dents électriques, il avait entendu parler de celle-ci. Et en fait, j'ai une cousine là qui en avait quand on est parti en week-end il n'y a pas longtemps ensemble. Et bref, elle m'a dit qu'elles étaient trop bien, donc... On a décidé de passer au brosse à dents électrique et j'ai reçu une petite commande de la part de Loire Paris qui a trop gâté Lazare. Enfin, j'ai pu choisir mes pièces, mais c'est la nouvelle collection. J'ai pris ce petit sweat qu'il a déjà en coton, en kaki, en écru. Et là, c'est en matière éponge, donc parfaite pour les beaux jours. Je lui ai pris aussi cette petite barboteuse à pression ici, donc trop pratique. Et ça va être trop joli en dessous, d'ailleurs, pour le matin quand il fera frais. J'adore, c'est trop beau. Et ils m'ont offert le petit foulard qui va avec la barboteuse. Donc ça va lui compléter le petit look. C'est trop mignon, je suis trop contente. Bon,
Je vais clôturer ce vlog ici. Il est 13h30. Je vais aller déjeuner. Il est tard. J'ai super faim. Mais c'est toujours comme ça en fait. Les jours où Lazare est à la crèche, je vois pas trop la matinée passer. Et en général, quand je vois qu'il est midi, je me dis allez, dans un quart d'heure, une demi-heure, je vais mettre en cuisine, je déj. Et en fait, je sais pas, là, j'ai poursuivi un mail, j'ai regardé un truc. Il est déjà 13h30. La caméra bouge, je suis désolée. J'ai pas pris le temps d'introduire ce matin. Enfin, je vous ai rapidement dit dans la voiture tout à l'heure. Mais ouais, je m'étais dit ce matin que c'était cool de vous partager un peu ma morning routine. Enfin, c'est plutôt une matinée avec vous finalement où je vous ai embarqué ouais, un peu dans l'organisation du matin, etc. Je clignote, j'ai plus de batterie, donc je vais vite clôturer ici. Mais il n'y a pas vraiment de routine en fait, puisque j'ai l'impression que ça change en permanence. Le fait est qu'on a quand même trouvé notre organisation parce que moi j'avais vraiment besoin de reprendre le sport, pas que pour une question de me sentir en forme, mais aussi, ça passe aussi par le fait de continuer à bien renforcer son périnée, justement, je vous en parlais tout à l'heure, de se maintenir en forme physiquement aussi pour pouvoir porter Lazare, etc., qui est un gros bébé. Et puis, j'ai envie de me préparer aussi à une éventuelle future grossesse, de pas être toute molle et de bien me remuscler, parce que je sais que j'ai eu un gros bébé pour une première grossesse et je me doute que ce sera la même chose si la vie nous permet d'en avoir d'avoir d'autres enfants. Bref, donc il y avait plein de choses, j'avais vraiment, et aussi pour mon bien-être physique et mental, j'avais envie de pouvoir me remettre régulièrement au pilates et au yoga. Et en fait, dans notre organisation, moi je me suis rendu compte que si je le faisais pas le matin, j'arrivais pas à le caser dans ma journée. Le soir, j'ai besoin de me coucher tôt, et avec les tunnels du soir que je gère en général, enfin quand même souvent seule la semaine, parce que Romain bosse pas mal le soir, c'était compliqué de caser du sport. Bref, donc on s'est organisé comme ça, je le fais le matin. Et Romain, il gère le réveil de Lazare le matin. Pas tous les matins, hein. J'essaye de caser 3-4 séances par semaine. Et du coup, globalement, on s'organise comme ça. Je fais mon sport, il gère le réveil et après, je les rejoins quand je suis prête. Pareil pour avoir le temps de me maquiller, de me préparer. Alors même si je ne me maquille pas tous les jours, ça devenait pesant pour moi de toujours être à l'arrache. De plus me maquiller, plus prendre ce temps-là, alors que c'est quelque chose qui vraiment me fait du bien et me rend, me met dans un état de bien-être. Enfin, chacune a ses petites choses pour ça aussi. Moi, me prendre le temps de me maquiller, même 5 minutes, ça me fait du bien de me sentir apprêtée. Ah, ça a coupé, j'avais plus de batterie, mais je disais de pouvoir faire ça le matin, enfin de prendre ce temps-là dans cette organisation comme ça, là, c'est beaucoup mieux. Donc ouais, on a un pseudo-rythme qui change un peu en fonction de quand Lazare se réveille. Là, il y a eu un changement d'heure, ça a tout changé aussi. Mais bon, on reste quand même sur ce format-là. Et du coup, je trouvais ça cool de vous montrer comment ça se passe un jour où Lazare n'est pas avec moi et où il va à la crèche, où du coup, notre organisation, elle est un peu plus timée, quoi. Voilà, et je vous aurais partagé 2-3 petites choses par-ci par-là. J'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo certainement un peu plus courte. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je voudrais lancer une FAQ sur Instagram, donc je vais le faire là prochainement, puisque ça fait un moment et que je trouve ça cool à l'arrivée du printemps. Ça fait une nouvelle page qui se tourne, puis Lazare grandit, notre vie évolue aussi un peu. Donc je trouvais ça cool de lancer une petite FAQ, donc je vais faire ça en parallèle. Bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao !